Bonjour, internautatrice et internautateur, ici Galen pour les jeux du Cygne. On retrouve notre découverte sur RimWorld Anomaly. La situation était à peu près équilibrée, juste des soucis de morale relativement importants. Je vois que j'ai réussi à me débarrasser à peu près de ma maladie du sommeil chez un certain nombre d'entre eux. Voilà, l'immunité qui a été développée sur plusieurs de mes personnages et le Cinéchobiti devrait bientôt être même immunisé. Par contre, j'ai un souci de chaleur, insolation mineure, il fait chaud partout, c'est une vague de chaleur qui dure depuis 1,4 jours seulement. Et il va falloir faire avec, de toute façon, il n'y a pas bien le choix. Au niveau de la bouffe, qui a quand même été un gros souci dans l'épisode précédent, suite à la période nocturne, là j'arrive à peu près à rétablir la balance. Par contre, le moral est toujours pas ouf, alors entre autres, sans doute, parce que j'ai des pièces qui sont pas en particulier, j'ai rien au sol, et ça, ça fait des pièces qui sont. Là ça va encore parce que comme il y a le lisse qui améliore la beauté de la pièce, ça permet que ce soit pas trop naze dans le dortoir. Mais voilà, je pourrais imaginer étendre un peu tout ça. Tiens, il faudrait que je refasse. Je sais pas pourquoi il m'en a pas fait un autre à la place. J'ai plus de bois, donc il faut que j'aille rechercher le métal. J'en ai miné pas mal, mais est en cours, c'est juste pas ramassé, donc du coup c'est pas comptabilisé, mais voilà, il va falloir que je me remette. Tu vois, je vais essayer d'économiser un peu du temps en allant chasser, en allant découper que ce qui est à maturité. C'est contrôle pour n'inclure que des arbres. Hop. Tac. Voilà. En couper, je pourrais en chercher là aussi. Ah, mais si j'en ai là du bois, j'en ai pas beaucoup. Donc, de toute façon, ça fera pas de mal si je vais en couper un peu plus. Ça là, il fait quelle température dans la pièce? 38, fait chaud. Ok, allez, on est reparti. Donc, je vais me remettre là. Je suis quoi? Je suis terne, ouais. C'est laid, très sale. Ici, il faudrait que je transfère. Hop. Pourquoi est-ce que celle-ci, je peux... Ah oui, parce que j'ai déjà demandé le transfert. Ok. Ça, c'est de l'ambroisie. Non, c'est de l'or. Est-ce que j'ai de l'ambroisie? Des buissons d'ambroisie, mais j'ai pas d'ambroisie. Ça peut être pas mal aussi pour gérer mon moral. Ou alors qu'ils prennent un peu de TP Koé. Pour être une idée aussi, éventuellement. Je pourrais leur dire dans les assignations, quand ils sont pas joisses, de se prendre du TP Koé. Non, pas pour les addictions, mais pour le moral. Non, c'est pas ça, c'est ça. C'est à partir du moment où ils sont en dessous de termes d'humeur ou de plaisir. Hop. J'ai d'ailleurs pas très bien quelle est la différence entre les deux. Humeur, c'est ça. Donc c'est plutôt l'humeur. Parce que c'est que le plaisir dans ce jeu. Là. Plaisir. Besoin de faire quelque chose d'agréable de temps à autre. D'accord. Bon. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Donc je vais faire assignation. Tac, tac, tac. Modifier. Donc je vais juste faire le plaisir. Hop. Voilà. Un petit peu de TP Koé. Ça redonnera un peu le sourire.
Comme de toute façon, j'en ai pas mal. Donc c'est pas trop un souci. Il est où mon TP-Koe? D'ailleurs, je pourrais le mettre ici. Tout ce qui est produits manufacturés. Des drogues. Hop. Et voilà, super. Je peux faire un... Ah oui, je pourrais refaire un rituel de conversion. Mais je vais pas le faire avec un... Comment? Comment il s'appelle? Un emplumé qui a un moral aussi mauvais. Au moins, il se met au frais. Ça c'est fait. Donc ça du coup je peux le supprimer et ça je peux faire un duplicata. Allez, de deux. En plus le frénésie d'insulte c'est parfait. Ça fait que ça défonce le moral des autres aussi. Ok, ça c'est mieux. Hop. J'ai toujours pas de médicaments. Mais non, pas normal. Oui, sauf que maintenant, option de mode. Ah oui, il y a un truc que je voulais faire aussi. Dans les options, justement. Quality Builder. Maintenant, je voudrais que ce soit bon au minimum, quand même. Peut faire mieux que ça. Dans les options, je voulais modifier dans les options du narrateur. Faire déjà, je vais augmenter un peu la difficulté. Donc, je vais définir. J'étais en lutte pour la survie. Non, j'étais en sang et poussière. Je perds est amusant, qui est le niveau de difficulté auquel j'ai l'habitude de jouer. Et puis surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter les events en lien avec Anomalie. On est là, c'est une partie qui est quand même faite pour découvrir Anomalie. Donc j'ai mis que les trois quarts des events seront liés à Anomalie et pas à autre chose. Ça me semble être plus pertinent. Toi, tu vas te déplacer ici. Ouais, du coup, j'ai pas de. Je vais essayer. Je vais déplacer un peu mon bazar. Les enceintes. Hop. Pour essayer de remettre. Tiens, Frédéric, fais-moi. Déplace-moi ça, s'il te plaît. Non. Ah, t'es en train de le faire. Très bien. Essayer de réinstaller ça ici. Ah, mais c'est la boule à facettes qu'il faut que je déplace aussi. Hop. Allez, une petite X. Formidable. Bim. Donc, normalement, il faudrait que je vérifie, mais je pense que j'ai un mode de débat. Debuff de mood parce que ah l'exécution a pas plu
Festival mur. Non, j'ai pas. Normalement, avec mon idéologie, si j'en fais pas. Le dernier a été fait il y a moins de 6. Il y a... Ouais, bizarre. Tiens, je préfère un enlèvement de par téléportation. Non, d'abord il va. Comment Hurlefort va soigner mon petit gars. Et ensuite, on va se refaire un petit enlèvement par téléportation. Toc. C'est toi qui vas faire l'invoque. 49%. C'est pas ouf. Alors ensuite, il y a moyen de d'améliorer hein, cette qualité avec des fragments. Des fragments, j'en ai combien? Fragments. J'en ai deux. Ça pourrait être une possibilité, mais je le ferai une autre fois. Quand tu veux, mec. Bim. Alors, ah, j'ai obtenu attraction d'animaux, très bien. Alors, tac, pause. Là, je suis en train de rechercher l'amélioration des ghouls. Ça me... Ah oui, je peux faire des sculptures du néant. Ça améliore la qualité des rituels. Suppresseur de sommeil, ça c'est pas mal. Qu'est-ce que ça fait, un fragment? J'ai de quoi en faire un. Ouais, ça irrite tout le monde, mais ça permet quand même de bosser en permanence. Et c'est presque un peu pété. Allez, on va chercher le suppresseur de sommeil. C'est presque bizarre que ce soit une recherche basique, en fait. Alors, qu'est-ce que tu vaux, toi, Tom? Très bon en tir, noctambule, bonne mémoire, troupe intelligente, des carrément bonnes stats. Hop, on va s'occuper de toi. Par contre, t'as un lumbago. Et t'es HS pendant 11 jours. Le lumbago, c'est parce que t'es plus tout jeune. Et ben, on pourra aller chercher le rituel de... Comment, de... Rajeunissement. Non, c'est pas désinstallé, c'est déplacé que je voulais faire. Non plus perdu. C'est pas facile d'avoir de main gauche. Hein. Hop. Avec une petite table de nuit. Une petite commode. Je pourrais même leur mettre. Je pourrais même leur mettre une petite table d'échecs. En calcaire. Pas en calcaire, en bois. Hop. Tac, pour qu'il s'occupe un peu. Et donc, il faudrait que je capture Monsieur Tom. Mobilier, lieu de couchage. Tac. Pour les prisonniers. Tu vas capturer Tom ensuite. Objectif, le convertir. Alors ensuite, je pourrais faire une attraction d'animaux. Ça coûte quoi? 10 de bioférite. J'ai combien? J'ai 95 de bioférite. Ça le fait. C'est quoi? Ça fait quel genre de... Hop. Trente-trois% de devenir des mangeurs d'hommes. Ok. Bon, je vais voir.
Pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Ouais, celle-là, je vais la faire en... loisir, taqueta madame, en calcaire. Qu'est-ce que j'ai comme... Ouais, j'ai que du calcaire ou du grès. Je m'interromps quelques instants, je reviens tout de suite. Ouais, t'es arrivé à la pause enfant, le signe. Comment vas-tu? Hop là, chasseur, oui, je manque d'armes. Ah oui, c'est que juste. Oui, si je manque d'armes correctes. Celle-là, tu voudrais pas me la terminer, Chobiki. Il reste 24 de travail restant. T'es où? T'es ici, tu fais quoi? Tu fais du fer à cheval? Terminer ça, cocotte. Franchement. Est-ce qu'il y a besoin de soins là? Le signe pour ça. Pff, non.
Il a, pour ainsi dire, achevé son unité. Hop, voilà. De toute façon, comme il est en panique. Hop, toi, tu vas me terminer ça, s'il te plaît, et ça. Hop, voilà. Excellent et bon. Très bien. Hop. Comment ça en panique? Bah ouais, le cygne nous a fait une petite crise de PLS. Il était psychotique. Alors, piratage d'un drone orbital. Ah, ça c'est pour trouver le calice noir. Celle-là, elle est assez facile à faire. Celle-ci, je voulais pas la faire, c'est ça. Même s'il y avait des récompenses qui étaient assez fat. Mais ça, je suis pas sûr de d'être capable de gérer trois raids. Trois raids de cette taille-là. Et non. Ça, je peux assez facilement le faire. Ouais, je peux assez facilement le faire. Bon, ça y est, il me transporte enfin le riz. Ah, j'en ai pas tant que ça quand même. Ça descend vite. Alors, cuisine 4 places 5. Tu vas me faire ça, t'as un arc bon qui traîne la porte de la cuisine. Ah bah oui, tiens, c'est pas faux. Bah c'est même, ça devait être celui de Richuk. Mais ceci dit, maintenant, j'ai une carabine et c'est mieux. La carabine de survie normale, c'est mieux. Mais c'est vrai que celui-ci, je pourrais l'autoriser. C'est quoi toi? C'est un arc courbon aussi. Mini AFK. Alors. Ref. Hop. Non, là c'était madame, c'est pas. Je vais bientôt revoir du coton, pas tout de suite encore. C'est long de terminer table d'échecs à ça demande une quantité de travail. Pourquoi il ne met rien ici? Bon, en vrai, des trucs à chasser. Caneton, tu vas aller me chasser la panthère. Tac, ça tombe bien, elle est à côté. Eh ben non, j'ai failli sauver une canne. Enfin, j'ai acheté une canne. Et cette canne s'est faite immédiatement tuer par je sais plus quoi. J'étais assez vénère. Par un cobra. Il y a un combe cobra qui est venu défoncer ma canne et elle était super loin, j'ai pas pu la sauver, j'étais un peu énervé. Mais bon, c'est exactement ça. Éruption solaire, putain. Ça n'arrête pas. Tac, allez.
Bon appétit. Et puis ensuite, tu iras te faire du casoar. T'as pris cher là contre la vache. Ouais, elle a fait mal. Oh putain, t'es sérieux, elle est que normale. Comment ça se fait qu'il fasse. Pourtant en construction, il y a 14 quoi. Fèche. Non, je non pas encore. J'ai pas. Je suis en train de chercher l'amélioration des goules. Dès que je l'aurai, je le ferai. Tiens, ça s'est terminé la vague de chaleur. Canton, va me chasser. Tiens, là, t'as un casoar, par exemple. Hop. Que tu peux aller attaquer. Lâchement dans son sommeil. Les goules sont d'excellents chasseurs, en fait. Zut, j'ai mis en pause sans le vouloir. En fait, la régénération, c'est tellement fort. C'est vraiment tellement fort. C'est une saloperie de cobra dans ce genre-là, quoi. Je crois que c'est lui, là. C'est lui qui a tué la pauvre canne qui n'avait rien demandé à personne. T'ai dit de taper jusqu'à ce que nous s'en suive. Un autre casoar, tiens, va tuer celui-là aussi. Ça y est. Fin de l'éruption solaire. Ça tombe bien, j'avais plus de bouffe. Voilà. Allez, t'as le droit de te reposer maintenant, Kenton. Tiens, va nous faire un truc. Va nous cuisiner des trucs. Voilà. Si, je peux aussi, mais le truc c'est que les cobras ça rapporte pas beaucoup de bouffe. Alors que les casoars ça en rapporte nettement plus. Non, mais surtout en fait c'est juste que c'est une conséquence indirecte. Du fait que je me sois retrouvé avec, tu sais, les plantes qui faisaient des ténèbres partout, et enfin hyper loin de la base. Du coup, j'avais dû construire les torches, si tu te souviens. Et en fait, le problème, c'est que il y a un marchand qui s'est dit bah, que du coup, ma maison, c'était à côté des torches. Et du coup, le marchand qui m'a vend... auquel j'ai acheté la canne, il s'est installé ici. Donc du coup, quand j'ai acheté la canne, bah, la canne, elle est remontée, elle a commencé à remonter doucement vers ma zone à moi. Oh merde. Pause. Et voilà. Et elle était par ici. Et le cobra qui était tout en bas, bah, il est venu, il l'a buté. Et le temps que j'essaie de ramener quelqu'un, bah, moi j'étais beaucoup trop loin et j'étais un peu dégoûté. Ouais, c'est ça, c'est la conséquence improbable. Alors, Richu qui est en train de disparaître. Et ça, c'est une salement mauvaise idée. D'autant plus qu'il a quasiment pas bouffé. Ça va être la merde.
Putain. Il aura jamais le temps de consommer un plat simple. Il n'en a pas sur lui. Ah si, il en a un sur lui, mais ça va être temps. Il aura jamais le temps d'y arriver. Non. Boum. Donc, Rishu qui est en train de se faire enlever. Donc ça, c'est de nouveau un event lié à Anomalie. Oui, j'ai pas lu le message précédent. Tac, tac, tac. Fermé. Nia, nia, nia. Donc Rijuk a remarqué que l'obélisque dénaturé était entré en activité. De mystérieux mécanismes internes se sont mis en marche, entraînant la disparition progressive de Rijuk, qui ne tardera pas à se volatiliser totalement. Et donc, il a été téléporté dans une pièce étrange, où les murs sont faits d'un matériau gris inconnu et l'air semble inerte. Il ne sait pas où il se trouve, ni comment sortir de là. La porte à proximité est bloquée, mais il devrait être possible de l'ouvrir avec un peu de force. Faites un clic droit sur les portes bloquées pour les ouvrir. En étudiant l'obélisque, les autres colons parviendront peut-être à comprendre ce qui est arrivé à Rishuk et à trouver un moyen de l'aider. Vous pouvez également attaquer l'obélisque, mais cela risque d'entraîner de nouveaux enlèvements. Voilà. Alors, donc là, il est dans une pièce. Et ce qui, en fait, ce qui est vraiment chiant, c'est qu'il n'est pas bouffé. Donc, on va le laisser manger. Et puis, on va peut-être essayer de faire des recherches. Peut-être étudier, mais il faut que j'attende 1,6 jours. Bon, ben, je peux pas y faire grand-chose. Donc il va falloir qu'il trouve une sortie. Alors je sais pas pourquoi j'ai un X ici. Est-ce que ce serait de la triche et que ça indiquerait la sortie? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Par défaut, du coup, je vais peut-être descendre. Parce que, en fait, le souci, c'est qu'il va péter un câble, d'autant plus qu'il a quand même déjà une humeur qui n'est pas géniale. Ouais, c'est pas cool. Donc, tu vois pas de X, c'est une poussière sur ton écran, non? Voilà, donc là, il y a des portes. La plupart sont forcées, sont bloquées. Et, ah, pas celle-ci. Alors, ceci dit, celle-ci n'est pas bloquée. Je peux l'emmener. Hop, est-ce que celle-ci est bloquée aussi? Donc voilà, donc il va falloir explorer le labyrinthe. Et chaque ouvrir une porte, bah, ça va prendre du temps à chaque fois. Ah non, le X, d'accord, il y est forcément. Il y est toujours. Même sur cette map-là. Ah non, je sais ce que c'est que le X. C'est mon overlay de chat Twitch. Alors, Rishu a forcé la porte. Eh bien, tu vas continuer de descendre. De toute façon, faut fouiller. Alors, normalement, je devrais trouver. Alors, voilà, de temps en temps, il y a des petites boîtes. Bon, celle-ci ne donne rien du tout, c'est juste un crâne. Voilà. Tant qu'il y a des portes ouvertes, c'est cool. Mais il y a un moment où ça coince. Et donc. Alors, ça va être Shobiti, ma grande démone, qui va aller commercer. Hurlefort. Il faut que je te mette en deux en constructeur. Il n'y a rien à faire. Hurlefort, tac. Alors, qu'est-ce que je peux. Déjà, je peux lui acheter des médocs. Le truc, c'est que j'ai pas de thunes. Le smoke leaf, je vais revendre. Mêlée, je garde. Alors, je peux revendre des trucs de merde qui vont rien me donner. La masse en calcaire, hyper efficace. Globalement, c'est un peu la loose, hein, mes équipements. Oh là là. J'ai rien d'intéressant à lui revendre, quoi. Si, de l'or. Je pense que je vais revendre de l'or. Désolé.
Je sais plus combien est-ce qu'il m'en... Écoute, j'en aurai, j'en retrouverai plus tard. Est-ce qu'ils ont des trucs? Ah oui, j'ai des armes assez sympathiques, mais un tout petit peu trop cher. Fusil d'assaut, putain. Ils ont des sacres. Oh. Ils ont des sacrément bonnes armes, mais j'ai absolument pas de quoi me les payer. C'est bien dommage. Je vais garder l'arc court bon, et même si c'est un peu tout pourri, je vais revendre le casque simple. Ça, je peux en faire des tonnes, et puis à la limite, même ça m'entraîne. Je garde le flake, le TP Koe, je peux le revendre aussi. Allez, ça me fait des sous. Grenade frag éventuellement, c'est bien d'en avoir en stock. C'est pas le plus utile, mais. Ouais, je devrais en faire des tonnes, t'as raison. Hop. Bah écoute, là on va déjà faire ça. Qu'est-ce que tu me fais? Pour toi, tailler des blocs de grès, c'est une priorité. N'importe quoi. Ah, nickel. Bah j'ai du bol. J'ai tout de suite trouvé la porte de sortie. Alors du coup, bah, je vais en profiter pour explorer un peu plus, voir si je trouve plus de loot. Alors, du ferro-sang. Ça fait quoi ça? Ça fait. Sur un grand pinal liquide de couleur rouille qui durcit constamment une fois injecté dans le système sanguin. Le ferro-sang fait durcir la chair lorsqu'il anticipe un coup et ainsi augmenter la résistance aux dégâts. Composition chimique de ce sérum basée sur la bioferrite rendait à mon utilisateur particulièrement vulnérable au feu. Ce qui est techniquement pas très grave. Donc ça, je vais lui faire tout ramasser. Ensuite, je vais récupérer. Qu'est-ce qu'il donne celui-là? Que des trucs dont j'ai pas grand-chose à faire. Bah, ça, typiquement, je vais le revendre. Ah si. Pardon, ça me sera utile plus tard. Pour l'instant, je ne l'ai pas découvert. Alors, est-ce que je peux aller explorer d'autres endroits? Oui. Du coup, tant que j'ai ça, alors là, il y a une petite saloperie que je vais éviter d'énerver. Sauf que forcément, ça reste ouvert. Et là, une autre saloperie du même genre. Formidable. Bah, du coup, je vais me barrer. Parce que... Ah non, je peux aller là. Non, je peux pas aller. Okay. Bon, je me barre. Ça aurait pu être plus intéressant. Voilà, Rishudake a découvert un grand obélisque qui semble presque identique à celui qu'il a amené ici en l'activant. Et je parviendrai peut-être à retourner d'où il vient. Hop, et on rentre à la maison. Retour des colons. L'obélisque a ramené les colons enlevés, puis s'est volatilisé peu après. Attention, d'autres créatures pourraient être avoir ramené également. Donc ça veut dire barre-toi. Bah, j'ai eu du bol, hein. Parfois c'est beaucoup plus compliqué de revenir. Hop. Matériel, tu vas déposer ça. Et pourquoi le j'ai pas récupéré le fer au sang? Je ne sais pas. Il y a des points rouges qui sont apparus sur la map. Ah bah oui. Bah ça va être les deux petites saloperies que... Ouais, c'est ça. Hop. Ah bah c'est pas grave, comme j'ai la caravane va les défoncer. Donc, c'est pas trop trop gênant. Ah oui, alors, je pourrais convertir Hurlefort. Allez, on va essayer, ça serait quand même beaucoup mieux. Maintenant qu'ils sont plus tous en PLS, 63%. Allez. Ce serait quand même vraiment bien si il avait plus à son idéologie en la con, hein. Allez, allez, allez. Tac, 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 tac. On y croit, on y croit.
pas terrible, efficace. Alors, par contre, maintenant, je peux réformer mon idéologie. Ça, c'est cool. Réformer l'idéologie. Je peux le faire tout de suite. Je vais pouvoir ajouter d'autres mèmes. Je peux changer les autres trucs, mais c'est nettement moins intéressant. Donc, je vais pouvoir rajouter une dominante à mes croyances. Alors, avec Ritualiste, qui est une nouveauté du DLC, il y a une autre idéologie qui est inhumain. L'humanité est un obstacle à notre lien avec la machine divine et ses sources et ses douces récompenses. Ça entraîne déshumanisation, exécution, respecter si coupable, cannibalisme acceptable, cadavre indifférent, manger de la panutritive indifférent, pic à crâne désiré, esclavage acceptable, amour libre, amour physique libre, vêtements masculins et féminins, pas de règles, et utilisation des organes acceptable. Mais ça entraîne la diversité de pensée, fanatisme intense. Ah non, ça entraîne, pardon, ça nécessite l'un des sept préceptes, donc là je peux choisir une diversité de pensée. Donc c'est un vrai impact sur ce qui va se passer, donc ça va modifier un certain nombre de préceptes de mon idéologie. Voilà, déshumanisation, le sens moral et les sentiments humains ne sont qu'une distraction. Nous devons nous défaire de notre humanité, les crises nerveuses entraînant la déshumanisation des fidèles. Humeur, honte de l'humanité, moins 8. Ça, c'est assez amusant. Et voilà, ça va entraîner que les gens vont devenir des êtres qui considèrent que l'humanité est parfaitement inutile. Ça va me permettre entre autres d'être cannibale, ce qui est plutôt pratique. Donc ça va gérer, enfin, régler un certain nombre de problèmes en lien avec la nourriture. Les exécutions vont pouvoir se faire de façon nettement plus facile. Les cadavres, bah, j'en aurais plus rien à faire, qu'ils traînent par terre. Donc du coup, je vais pouvoir supprimer mes... Enfin, voilà, je vais pouvoir m'occuper sans difficulté des cadavres humains. Je peux faire de la pâte nutritive, ce qui est assez pratique également pour gérer la bouffe. Je peux faire des pics à crâne. Ça serait... Ouais, c'est ça, une colonie de salauds. C'est pas vraiment des salauds, c'est juste que les autres, on s'en bat les steaks, quoi. Voilà, je valide et j'ai désormais mon idéologie qui est réformée. Par contre, les canards sont toujours vénérés. Et ça, c'est ce qui compte. Si, quand ils se font pas buter par les cobras. Donc, il va falloir continuer à arriver à convertir l'autre saligo là. Il est à 65, c'est quand même pas ouf. Température dangereuse, il fait toujours chaud chaud là. 44 degrés, oui, c'est. C'est conséquent. Est-ce qu'il y a par le feu? Il n'y a pas le fait d'avoir un animal détesté. Il y a juste les animaux vénérés. Donc ça, du coup, je vais virer cette... Enfin non, je vais pas le virer. Je vais juste mettre en priorité basse. Si jamais... Et du coup, je vais faire que ici. Je vais autoriser... Je vais autoriser bah, les cadavres d'entité, je vais les accepter. Les insectes, on les aime toujours pas trop. Même si en vrai, si j'en ai, je les dépecerai et ensuite j'en ferai de la viande. J'essaierai de le revendre. Et du coup, je vais accepter aussi les cadavres humains. Et du coup, là, ce que je vais dire, c'est que je vais dépecer. Alors, pas les entités, par contre les cadavres humanoïdes, sauf les corps de colons. Je vais éviter de découper mes propres colons des fois que je vais les ressusciter un jour. Voilà qui est très bien. Du coup là, je vais juste accepter les produits pourris dehors.
Non, en fait, c'est ça que je vais changer. C'est-à-dire que là, également les produits frais, ça, je suis en critique, très bien. Là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais accepter que ceux qui sont pourris. Voilà, comme ça, ce qui est frais, je le récupère, je le mange. Et ce qui est pourri, eh ben, ce sera le boulot, voilà, c'est desséché, ce sera le boulot des arbres de les détruire. Voilà, c'est ça le plan. Ah, mais il est là, ça. Hop. Allez, moi, rapatrier ça en vitesse. Canton, si tu retournais chasser. Pas chasser les cobras, les vilains cobras. Et puis, accessoirement, tu iras manger ça. Oh, qu'est-ce qui pète un câble encore? Oui, c'est fight, d'accord. Du coup, qu'est-ce que. Hop. C'est quoi ça? C'est un châchis la mort. Hop. Autorisé. Donc ça, on l'a explosé. Va exploser aussi le cobra. Tac. J'ai encore une. Ah, j'ai encore deux autres bestioles là. Hop. Voilà. Autorisé. Hop, tu vas me faire le ménage. Allez, on passe en x4. Ah, j'ai du jade ici. Bim. Allez. Voilà. Tu vas aller tuer ce cobra par la même occasion. Ensuite, tu vas remonter. J'en ai encore un autre là-haut. Va faire tac, puis tac, puis tac. Hop, autorisé. Tac, tac. Ouais, du coup, ça lui fait. Ouais, ça monte vite, hein. Bon, ceci dit, la conscience d'une goule est de toute façon assez limitée. Hop, autorisé. Tiens, t'as un petit casoar à tuer par la même occasion. Il faudrait en fait pouvoir donner l'ordre aux goules de chasser. Hop, on continue le ménage. Ça dépend de la furtivité du chasseur. La furtivité de la goule est très élevée. Voilà, pour la grande démon et tous ses canards, tout à fait. Allez, et on en termine avec celle-ci. Casoar, j'en ai un là. Et le dernier, il est pas dommage, j'aurais dû le faire au passage. Tac.
fait. Yes. Parce que, en fait, c'est les seuls que je peux pas vraiment chasser. Parce que si je les chasse, en fait, ils répliquent instantanément. Ils ont 100% de. C'est des animaux qui sont très agressifs. Je peux pas mettre voilà, un ordre de chasse dessus. Hurlefort, ouais, non, c'est dans l'autre sens que ça doit se faire. Pourquoi est-ce que Hurlefort. Ah, mais c'est constructeur qu'il fallait. Mais je suis con. La fête est finie. Hop. Voilà. Autorisé. Et tu rentres à la maison. Ah oui, je peux faire des pics à crâne aussi. C'est dans quoi? Ça doit être dans mobilier, dans idéologie. Ouais, pic à crâne. Pic à crâne en bois. Toc. Déjà, on va faire deux pics à crâne ici. Tac. Et puis, on va en faire hop, à côté du lieu de méditation, ça me semble parfaitement adapté. Ici. Tiens, toi, il faut que je te transfère. Hop. Frénésie de travail pour Lewin. Très bien. Bon, t'es plutôt en train de rechercher que de travailler, mais. Ah yes, ça y est, je récupère enfin des racines de vie. La prochaine étape, c'est les éléphants. C'est pas la même. Je vais repartir à la chasse aux. À la chasse aux baies. Tac. Parce que quand même, c'est encore pas facile. Drone psychique. Ah non, ça c'est pas cool. Ça va pas le faire le drone psychique, ça va pas le faire du tout là. Hop, démolir et tac. Nociosphère. Ah ouais, tcha tcha. Alors, une étrange sphère métallique est apparue. Quiconque s'en approche ressent une certaine souffrance. Vous pourriez l'attaquer, mais prendriez le risque qu'elle se défende. Vous pouvez aussi la capturer à l'aide d'une plateforme de détention afin d'apprendre à exploiter son pouvoir. Elle est pour l'instant inoffensive, mais accumule de l'énergie au fil du temps. Si vous la capturez à l'aide d'une plateforme de détention, vous pourrez réprimer la sphère et ainsi réduire son énergie. Donc il va falloir que je me dépêche. Il faut que impérativement toc. On aille me construire ça tout de suite, tout de suite. Et armement affolant. Nouvelle recherche qui se débloque avec artefact de folie de la fragment, perturbation, pulseur d'animaux. D'accord, donc ça c'est des trucs qu'on, je crois qu'on a déjà, mais qui sont comment? Qui sont spécifiques, voilà, qu'on peut faire avec l'équipement du DLC Anomaly. Alors, voilà la grosse bouboule. Capacité de confinement 94. Et c'est quoi ça? Ouch. Ah non, terreur d'évasion, jamais.
D'accord, donc ça joue pas sur le confinement. Pourquoi est-ce que... Ouais, c'est qu'il y a beaucoup de plateformes de détention. Et ça va me faire bien, bien bon en bioférite, ça. Ça fait combien? 19,4 par jour. Alors donc la nociosphère, ce sera très pratique si je me fais attaquer. Mais sur la longueur, ça peut être un peu pénible. Répression automatique. Je vais l'augmenter. Oui, non, je vais le garder bas. Je vais le garder bas. Progression de l'étude de la nociosphère. Barkfeed en a appris davantage sur le fonctionnement de la nociosphère. Elle semble n'avoir qu'un seul et unique but, faire souffrir tout ce qui l'entoure. Backfeed pense pouvoir exploiter la capacité de la nociosphère pour en faire une arme, mais vous devez d'abord l'étudier davantage. Eh ben, go travailler. Crise identitaire. Richuk a totalement renoncé à son humanité pour adopter l'idéologie du néant. Il ne se soucie plus de tout ce qui touche à la santé, la famille, l'amitié et l'amour. Richuk a subi une déshumanisation et risque de faire une crise nerveuse le temps de s'habituer à son nouvel alignement mental. Alors, qu'est-ce que tu me dis, le truc infâme qui tombe pile quand la colonie se déshumanise? La coïncidence est grosse. Alors, qu'est-ce que ça fait? La déshumanisation. L'esprit de cette personne est complètement dominé par les schémas psychiques du néant. Les préoccupations humaines que sont la famille, l'amitié et l'amour lui sont désormais totalement étrangères. Son expérience de la réalité est distante et silencieuse, guidée par le rythme psychique d'une super intelligence occulte. Donc, il a beaucoup moins mal, donc ça permet d'être plus efficace même quand on est blessé. Par contre, ça a un impact non nul sur les interactions sociales. Température minimale de confort, bah, faible. Alors par contre, animaux, sociabilité, artistes, moins 12. Ça fait très 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 mal. Et il s'en fout de la beauté, il s'en fout d'être à l'extérieur. Voilà, en gros, ça en fait un peu une machine. Le seul souci, c'est qu'effectivement, bah, du coup, il a pris cher cher sur la sociabilité qui est son point fort. Donc ça c'est un peu pénible et d'autant plus que c'est quand même mon leader. Alors il va pouvoir regagner des points hein, mais il est redescendu bien pas bah, artiste pareil et animaux pareil. Donc voilà bah c'est des gens ils sont contents de vivre. En même temps, tu t'attends pas à ce que ce soit des bonus en prenant la dégénération. Non, non, mais ensuite, le côté immunisé à la douleur, c'est cool aussi, en fait. Hein, parce que tu prends quand même... ça rend un certain nombre de choses nettement plus simples. Et puis, tu as moins de problèmes liés bah, au froid, à la chaleur. Voilà, globalement, c'est le mec, il s'en bat les steaks de tout, quoi. Ça repousse à quelle vitesse? Ouais, ça va. Suppresseur de sommeil, fabriquer des structures alimentées par des fragments qui stimulent les personnes proches pour les empêcher de se sentir fatiguées. Voilà, par contre, ça irrite les cibles. Inducteur de frénésie, ça c'est armement bioférite. Créer des armes avancées, pourquoi est-ce que je peux pas le rechercher? Prérequis non satisfait. Ah, il faut que j'ai arme de précision, d'accord. Ah oui, je disais que j'irais chercher la chronophagie. Sa vie ne remonte pas par ailleurs. Ça remonte doucement, mais... Doucement, mais... Bah, comme il s'est rebattu derrière... si, si, non, mais ça monte. Hein. Mais bon, il est un peu... Ouais, il est un peu fragile, quoi.
Voilà, il se tape sur la gueule, tout va bien, c'est formidable. Pourquoi est-ce qu'ils se sont tapés dessus d'ailleurs? Non, j'ai pas vu. Au bûcher. Ça y est, t'as fait un truc correct. C'est lui. Bon, j'ai rien vu. Franchement, j'ai rien vu, moi. Pourquoi est-ce qu'il me fabrique pas les pics à crâne? Ah, parce que j'ai peut-être pas assez de crâne. Est-ce qu'il me reste des... Ben non, lui, eux, ils ont plus de crâne non plus. Bon, allez, on va essayer d'étendre un peu tout ça. Je vais aller chercher... Ça, je vais l'agrandir. Parce que je vais me faire... Quoi, ça, c'est des murs en grès, très bien. On va refaire du 11 par 11. Tac. Ouais, là, je vais aussi aller... Je vais continuer les murs comme ça. Tac, je vais leur demander de m'aminer. Ordre. Cette zone-là. Vous allez me faire des portes en grès maintenant. Tac. Non, portes en calcaire. Hop. Hop. Des attentés. Oula! C'était quoi ce bruit? Je sais pas. Ah si, la démon en colère, d'accord. Tiens, au fait, le signe. J'ai constaté que avant, quand j'avais un raid, je l'entendais. Maintenant, je l'entends plus. Donc, il y a un blème dans les paramètres qu'on avait modifiés sur OBS. Il faudra qu'on regarde ça. Non, tu sais, je l'avais doublé. Alors, il faudra que je vérifie, hein, mais je l'avais doublé et... Ouais, mais c'est, je l'avais fait normalement. Bon, je revérifierai, hein, mais il me semble que je l'avais fait. Tiens, ça, il faut que je le casse aussi. Ah, un petit raid. Serviteur d'Orax. Alors ça, c'est carrément pénible. En plus, ils sont à perpète. Non, mais je regarderai, hein, Lucie. Alors, heureusement, ils sont pas trop nombreux. Donc, ils veulent utiliser un rituel psychique pour enlever un colon par téléportation. Il va falloir tout de suite les arrêter. Parce que sinon, bah, ça va être très très pénible. Ouais, à mort, exactement. Donc, c'est d'ailleurs ce que nous allons faire. Mais ce qui est chiant, c'est qu'ils sont complètement à l'autre bout de la map. Alors non, c'est bon, il se rapproche un peu. Ouais, mais pas beaucoup. Celui qu'il faut que je tue en particulier, c'est celui-ci. Et alors, ce qui les rend particulièrement pénibles, c'est que... Est-ce qu'il y en a qui l'ont? Non. Alors, ils sont aussi déshumanisés, hein, c'est les copains quelque part. Non, alors c'est bon, il n'y a personne qui l'a. Mais parfois, il y en a qui ont un truc qui les fait ressusciter. Et ça ressuscite plusieurs fois, et c'est vraiment pénible. Hop, alors. Il ne faut pas le laisser terminer son. Et ils vont de toute façon chercher à m'empêcher
de les en empêcher. De façon assez peu surprenante. Caneton, en avant. Hurlefort, en avant. Bim, stun. Darkfeed s'est coincé en construisant le mur. Merde. Où ça? Darkfeed. Ah, le boulet. Le boulet. J'avais besoin de tes talents. Hop. Il est où mon deuxième cac, Dez? Bah, il est en retard parce qu'il est blessé. À vouloir montrer qu'il y a la plus grosse. Hein. Le signe, tu vas me ralentir celui-ci. Hop. Histoire qu'il arrive après. Hop. Tac. Voilà, ça c'est fait. Bim. Toi, t'es HS. Bim. Donc, j'ai tué tous ces gars-là. Il reste plus qu'à tuer le chef. Mitch, est-ce que ça vaut le coup d'essayer de te sauver? Pessimiste, homosexuel. Travaux intellectuels, diplomatie artistique interdit. Et... T'es déjà déshumanisé, mais ça vaut peut-être le coup de te sauver. Allez. J'accepte de te sauver. Hop. Mais il faut d'abord que je fasse... Tac. 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 C'est bon, tu l'as creusé ton trou? Oui. Donc, bah, pour la peine, tu vas... Non, c'est pas toi qui vas venir le sauver. Ça va être quelqu'un qui a un mouvement un peu correct et qui a un soin un peu correct. Médecine. Lewin. Allez. Capture-moi ça. Capturer. Et les autres, vous allez... Ah, il en reste un encore. C'est bien, j'ai gardé tous mes plus mauvais tireurs. C'était une bonne idée, non? Bim. Moins un. Bon, ça va. Il n'aura pas été trop pénible. Ce raid. Par contre, ça va me faire plein de viande. Et ça, c'est cool. Oui, oh, une jolie épée en tout cas. Glaive en métal normal, franchement. Joli. Alors, hop, on me transporte tout ça en urgence, s'il vous plaît. Et hop. Et c'est parti. Voilà un raid rondement géré. Une future nouvelle recrue. Et plein de viande, franchement. Ceci dit, en fait, avant de... Je devrais combler ça, en fait. C'est dangereux de laisser une zone complètement dans l'ombre. Hop.
Et non, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était ça. Tac, tac. Hop, lui, on fait convertir. Tu verras, tu te sentiras comme à la maison. Chez les non-humains, chez les déshumanisés. Hop. Et hop. Il va me falloir de la lumière. Hop. Alors, la conversion. Est disponible. Richuk, tu vas me convertir. Hurle fort, s'il te plaît. 63%. Oh là là. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai une sociabilité de merde maintenant. Infection? Merde. Ah, sur Mitch. Hop. Encore un là. Donc voilà ma nouvelle pièce que je vais. Que je vais paver. Carrelage en acier. C'est combien? C'est... Ah ou non, je peux mettre du carrelage morbide. Ah ouais, mais ça coûte cher. Ouh. 20 par heure. C'est vraiment pour les riches, ça. Dalle morbide. 100. Ça, je vais le déplacer. Je vais le déplacer là. ouais, enfin, c'est... Le truc, c'est que ça coûte cher quand même. Dalle morbide grande. Le prix ne compte pas, c'est pour la démo. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que j'ai fait de la bonne taille, ma pièce? On va faire du 11 par 11. Et... Ordre. Planifié. Ah, couillon. La symétrie, c'est le pied. Hop. Ah là 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 là. Je sais plus compter. Donc une dalle morbide, une grande dalle morbide. Je vais faire plutôt, allez, je vais faire du calcaire au sol. Ouais, mais c'est du 4 par 4, ça va pas du tout. Je vais faire moyenne, c'est du 3 par 3, ça va être bien mieux. C'est sûr, t'as tout à fait raison. Et en faire dans toutes les pièces. Pourquoi c'est pas... Ah oui, parce que là j'avais dû décaler ma porte. Tac. Hop. Une dalle morbide dans toutes les pièces. Ça va me coûter un bras. C'est pas grave. Pour la grande démon, on fera tout. On fera tout ce qu'il faut.
on le fera après. Alors voilà, nous avons nos premiers morceaux de chair humaine, avec lesquels, et il faut quand même que je dise quand même que maintenant, on peut me faire ça avec de la chair humaine. Eh ben oui, parce que si je dis pas que tu peux faire des plats avec. Du coup, qu'est-ce qui reste interdit? Viande difforme, viande. D'accord. Alors juste tac 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 modifier tout plat. Ouais, ça risque juste de pas trop plaire. Bah hurlefort. Bah, ça va le faire un peu plus péter un câble. Parce que du coup, lui, son idéologie, elle lui permet pas de cannibalisme exécré. Je vais finir par le capturer et le convertir de force. Ça risque de se terminer comme ça. Comme j'ai une. Comme j'ai une base qui maintenant tourne assez bien. Je pense que je vais faire ça. En même temps, il a verré via un event. Mais j'arrive pas trop à savoir en fait. C'est pas méga clair. Je me pose un peu la question sans forcément avoir la réponse. Effectivement, il est arrivé via un event. Est-ce que du coup Mitch n'est plus incapable de marcher? Je m'en fiche. Ah voilà, une belle dalle morbide. Ouais, je sais pas s'il y a une suite ou pas. Ça coûte 100. 150 pour la grande. Oh, magnifique! Est-ce que le style plaît à la grande démon? À part le fait que la tête de mort soit à l'envers, mais. Amélioration des ghouls, yes! Résurrection des ghouls. Armement affolant. Ressuscitons les ghouls. Donc ici, je vais faire mon. Et déplacer mon atelier. Tac. Déplacer. Tac. Tac. La forge. Je vais la mettre là. Le truc d'assemblage, je le mets là. Le truc de bioferrite. Je le mets là. Le beau de recherche, je vais le laisser ici. Si je pourrais mettre là aussi de la beau de recherche. Pour mettre un là. Ouais, non, pas. C'est pas obligatoire. Ça, j'en ai pas trop cherché encore, mais ça viendra peut-être. Ça roule. Bisous à vous. Ouais, je vais pas tarder non plus. Grossiste.
Très bien. Progression de l'étude de la noosphère. En étudiant la noosphère, vous avez découvert comment l'activer volontairement. Une fois activée, elle se téléportera vers un lieu éloigné de votre choix et fera souffrir tous ceux qui se trouvent à proximité. Elle continuera à chasser les créatures jusqu'à ce qu'elles soient détruites ou décident de rentrer. Ça peut servir. Donc, typiquement, là, quand j'avais eu le raid tout à l'heure, ben, j'aurais balancé ça là-bas. Ils auraient moins fait les malins, les mecs. Chobit. Tac, commercer. Étude de la noosphère terminée. Hey, salut Sermanès. Comment ça va? Bienvenue sur le live. Ouais, ça roule. Et toi? J'ai vu que tu avais aussi ta petite série découverte de d'anomalies. Est-ce que tu t'en sors? Alors, Lewin a fait une découverte inquiétante sur la noosphère. L'entité présente des signes d'instabilité. Une fois que la noosphère commence à devenir instable, vous pouvez vous en débarrasser en envoyant attaquer une menace. Une fois sa mission terminée, elle disparaîtra définitivement. Si elle devient complètement instable, elle ne répondra plus aux tentatives de répression. Donc, à s'en méfier. Le premier let's play est tout mort, mais le second, ça va à peu près. Ça donnait quoi le concours? Bah écoute, ça a donné gentiment. Je suis arrivé, j'ai fait une quatrième place. Mais c'était un concours qui n'avait rien de. Enfin, qui n'avait vraiment aucune prétention. Hein. C'était vraiment juste. Bon, enfin, 4 sur, on était 9 en tout. C'était quand même beaucoup de bol parce que ça dépendait du nombre d'events. Ça dépendait en fait beaucoup du nombre d'events qui arrivaient. Et puis, bon. Non, mais je suis bien. Et puis, c'était sympa, quoi. Ça s'est fait dans une bonne ambiance complète. Ouais, c'était cool. Une canne. Je peux reprendre une canne. Yes. Toxipatate. Je peux prendre du tissu. Et toi, ouais, ça me plaît beaucoup. Je trouve qu'il y a, vraiment plein d'idées super intéressantes dedans. Ouais, ils ont vraiment fait un truc. Ouais, vraiment chouette, je trouve. Il y a vraiment du gros gros boulot dessus. Alors, médiocre. Hop, tout ce qui est médiocre, on revend. Et dans ce qui est normal. Hop, tout ça, on revend aussi. Est-ce que j'ai des trucs qui sont bien mais abîmés? Non, ça va. Tu l'as perdu comment ton premier run? Monter aussi. Prendre plus de tissu. Ok. Bon, j'ai pas mal de cuir. Très bien. Non, je vais quand même essayer de garder les thunes. Hop, voilà. Alors, tac, on redéplace ça. Tiens, ça que je peux aussi déplacer. Tac. Allez, on me vire ça s'il vous plaît. Fiche ça. Et voilà la canne qui est dans son enclos. Alors, en termes d'armes, avec ce que j'ai chopé, j'ai peut-être quand même des trucs qui sont un peu meilleurs.
Ça roule. Merci d'être passé. Bisous. Alors. Ouais, j'ai quand même des armes. Le glaive en acier en plus, il est classe. Donc ça va être pour le fort. Sauf que le fort, on m'a dit qu'on allait l'arrêter. Donc ça va être pour Dez. Hop, va t'équiper de ce glaive, s'il te plaît. Merci. Un grand monde, la fosse. Oui, c'est vrai que je me suis toujours pas occupé de cette fosse qui est très très loin. Quelque chose va bientôt en sortir. Eh bien, nous allons saluer ce quelque chose à coups de bastos dans la tronche. Et même potentiellement, c'est eux qui vont s'en charger. Ouh. Ah, mais il y en a pas mal là. Ah, c'est pas la même. Hop là. Une petite sauvegarde. Des fois que ça se passe mal. Où est Canton? Va peut-être se mettre derrière eux. Parce qu'à mon avis, ça va fighter fort. Il est où Canton? C'est bon, il est avec le groupe. Voilà. Hop. On va quand même aller les aider un peu. Tac. Il risque d'y avoir des morts. Hop, mes trois cacs ici devant. Oh, c'est bien, en plus ça va me faire ça va me faire de la bouffe, un très bon plan. Ça y est, non, pas tout à fait, si. Alors non, c'était pas forcément là. Annuler là aussi, tac, pour les gravats c'est pas nécessaire. Pour le reste, bah c'est Canton qui va se régaler sur les robustes au point de se mort. Là, j'en ai un que je peux capturer. Alors, je peux donc me débarrasser. Les robustes au point, c'est mieux. Entité, ça apporte 2,3 de connaissances basiques. Celle-ci apporte 1,8 et ceci 1,8 aussi. Donc. Frédéric, s'il te plaît, tu vas. J'en ai combien? Qu'est-ce que je peux récupérer du coup? J'ai deux robustes pointes que je peux récupérer. Ouais. Et ça, c'est un. Non, trois, même peut-être. C'est ça. Pardon, excuse-moi. Donc vous trois, je suis au regret de vous annoncer que vous allez bientôt trépasser. Non, toi, toi et toi. Donc, tac. Entité exécutée. Exécuter. Exécuter. Non. Je vais pas faire ça. Lui, je vais juste l'étudier. Je préfère en fait me débarrasser de ceci qui se fufute. Frédéric, s'il te plaît. Tac, tac, hop. Canton, ok, toi tu vas pouvoir entrer. Toi aussi, toi aussi. Je vais juste en garder trois pour faire mes trois captures.
Ah merde, j'en ai 4 même. Frédéric a exécuté. Très bien. Hop. Et peut-être avoir besoin d'un autre. Attends, Jid. Attends, voir s'il te plaît. Donc, tap. Capturer. Capturer robuste pointe. Capturer. Capturer. Je pense qu'en fait je peux en choper un autre encore. La quantité exécutée. Jid. Capturé. Ouais, c'est bien ça, j'en ai bien une quatrième. Nickel. Bon, c'est parfait ça. C'est très pratique les caravanes. C'est très très pratique. Il est mal en point. Oh, je pourrais presque le sauver. Ça me mettrait bien avec. Ouais, ça me mettrait bien. Je vais aller le sauver. J'ai un nid qui n'est pas attribué, oui. Hop. Ça, je le récupère. Attends, t'es peut-être pas obligé de utiliser des herbes médicinales, j'en ai pas tant que ça. Bon. Ceci dit, je sais pas trop quoi en faire de ces cadavres fondamentalement. Tiens ça, maintenant je peux le déplacer ici avec ça, et puis je vais faire ce que j'aime bien faire habituellement, c'est des étagères dédiées. Donc là par exemple, une comme ça, une comme ça, une là. Là, il faut quoi? Il faut de la neutro. Ouais. Alors non, même si j'étais intelligent, mais ça se saurait. Il est absolument pas intelligent. Hop, on va mettre ça là. Il faudrait que ces deux-là soient côte à côte. Que ces deux-là soient côte à côte. Ici. Où je commence à être un peu short sur les. Ah merde. La pique. Ah oh, merde. Ça gêne. Ça gêne. Gide. Va me déplacer ça, s'il te plaît, tout de suite. Et puis va me réalimenter ça tant qu'il est. Ah merde. Hop. Tac. Et alimenter ça. Donc ça veut dire qu'il faut que je gère mon électricité la nuit. J'en ai plus assez. Éclipse. Le jour aussi, j'en ai plus assez. Donc là, je vais mettre spécifiquement tout effacé en critique, la bioférite,
Ah, j'avais pas vu que j'avais ça, tiens. Ah, mais oui, c'est les. C'est vrai. Il faut que je mette ça sur Canton. Des pics, une plaque de goule, piquant de goule. Cœur surrénal, prothèse spéciale bioférique qui permet à une goule de saturer son sang d'hormones de stress et d'énergie liquide et d'ainsi décupler sa vitesse d'attaque et de déplacement pendant un court laps de temps. La prothèse augmente également légèrement le métabolisme de la goule, ce qui augmente également son appétit. Cœur corrosif. Cracher un fluide corrosif. C'est amusant. Et ça fait quoi? Augmenter temporairement la résistance aux dégâts. Mais par contre, ça ralentit la goule. Je vais plutôt tenter le cœur surrénal, tiens. Donc ici. Je mettrai des composants globalement un peu partout. Maladie grave sur Mitch. Oh. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon pour Mitch. C'est au poumon qu'il a une infection. Hey! Salut la team 119, merci pour le raid. Bienvenue ici. À quoi est-ce que vous jouiez? C'est Ardarine encore? Je crains qu'il ne faille que je lui enlève tout de suite. Un poumon. Sans quoi? Poumon droit. Non, le droit, pas le gauche. Eh ben, quoi de neuf? Tout va bien. C'était d'accord, donc c'est Ardarine qui s'est reconnecté avec son propre identifiant, je connais bien le problème. Ah ou alors sinon je le transforme en ghoul. Est-ce qu'il est bien? 7 en mêlée. Oh, je pourrais le transformer en ghoul avant qu'il ne meure. T'étais toujours sur City Skylines ou tu changes de temps en temps? Ah oui. Allez, je vais le transformer en ghoul. Plutôt que de lui enlever son. City Skyline 2. Tu commences à bien l'avoir pensé ce jeu quand même. T'as seulement 200 heures? Tu fais que. D'accord. Allez, on va voir ce que ça donne. Hop. On va essayer de créer notre première goule. Est-ce que je vais avoir le temps de le sauver avant qu'il meure? Ah, normalement, il était sauvé. Ouais, tant pis. 87. Non, il a crevé, là. Allez, termine. Yes! Et voilà Mitch, notre nouvelle goule. Nickel. Nickel. Ah oui, tiens, dans les trucs que je voulais faire aussi. C'était le suppresseur de sommeil. Quand même. Si je l'ai fait, c'est pas juste pour faire joli. Enfin, si j'ai recherché. Hop, pour tout mon dortoir. Et voilà Mitch, donc notre nouvelle goule. Hurle fort, tu sais quoi? Je vais te capturer. Ça va être Chobiti qui va te capturer. Avant que tu ne pètes un câble. Hop là.
Voilà. Non, il ne m'a pas fait de bêtises au final. Mais je sais pas. C'est pas bien clair ce qui se passe avec ces super persos qui ont vraiment des stats de porc. Donc je vais voir, je vais essayer de le convertir. Et ensuite je pourrais aussi. Ah non, je peux pas l'étudier. Je vais essayer de le convertir. On verra ensuite. Bon. Eh ben, un vrai atelier. Une deuxième goule et une canne. Je pense que c'est des objectifs qui sont plutôt bien réussis. Alors, j'ai pas fini mes constructions. Psychophagie. Donc, rituel psychique qui inhibe la sensibilité psychique de la cible pour augmenter temporairement celle de l'invocateur. La victime subira des lésions cérébrales. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la chronophagie. Voilà, alors ça, c'est bon. Donc là, je voulais mettre ceci à la place. Voilà. Hop. Ici, on déplace cela. Tac. Et du coup, ça, je peux le mettre là. Hop. Et ici, tiens, je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas faites. Tac, tac. Alors, celle-ci, je vais la descendre d'un cran. Je vais faire ça. Alors, donc, ici et là, ça va être. Bon, ceci dit, j'ai clairement pas besoin d'en avoir deux, mais bon, c'est pas grave. Bioferrite, ou ouais, même celle-ci, en fait, je vais pas la mettre. Annuler, tac, tac. Là, par contre, j'ai besoin d'en avoir deux. Donc là, je vais mettre priorité critique pour. J'ai mis bioferrite, c'est ça? Bioferrite. Yes. Ici et là, ça va être. Un paramètre lié. Et je veux en priorité critique. Du métal. Non. Tadadam. Je veux dans les ressources brutes de l'acier, du plastacier, de l'uranium. Et c'est déjà pas mal. Ok. Là, je veux en priorité critique. Ressources pas des blocs je veux des ah je peux pas mettre de morceaux ici bon bah ça du coup je vais pas rien mettre du tout hop du coup toi je vais te décaler pour te mettre. Hop. À côté de la porte. Pourquoi construction? J'en avais déjà une. Déplacer. Hop. Là, je n'ai pas déplacé ma chaîne ici. Et il faut que j'étende mon réseau d'énergie. Tac. Nickel. Voilà. Et bon. Donc l'atelier est fin prêt. L'énergie, c'est pas ça. Mais je vais arrêter cet épisode. Ici, c'est live. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Ah non, avant de faire ça, que je termine. Sans oublier, là, je veux que tu me mettes en priorité critique. Yep.
Merci. On voit qu'il y en a qui ont les réflexes. Je veux du textile en priorité. Sur ces deux. Pourrait même en mettre d'autres éventuellement derrière. Mais. Ouais, si je pourrais en mettre. C'est ça, pour que ça ait une bonne tête. Comme ça. Tac. Tac. Et tac. Copier les paramètres. Hop. 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 Voilà. Ouais. Donc je vais m'arrêter cet épisode ici. Et ce live par la même occasion. Est-ce que je vous renvoie ailleurs? Est-ce que tu veux que je te renvoie ailleurs, Ardarine? Ou est-ce que tu vas terminer ta soirée? Tu vas aller faire du montage? Ça? Bon. Eh ben, bonne soirée et donc merci à tous ceux qui ont suivi ce live et cette VOD. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Ciao, ciao.